Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 31 mai 2021. Bienvenue sur TV Plus Madagascar dans cette nouvelle édition du journal en version française. Voici maintenant les titres. La réhabilitation des 180 km reliant Katsep Mitsins jusqu'à Soualal peut désormais commencer grâce aux engins de construction de routes dotés par le président Andrzej Wajda à la région de Buin. Il a également promis la remise en fonction de la Jirama d'ici 2 semaines. Le retour en classe sera effectif pour toutes les classes intermédiaires dès ce mercredi pour les établissements publics tout comme les privés. Une désinfection totale de toutes les salles de classe et des cours de récréation sera effectuée à partir de ce jour, ainsi que l'installation des dispositifs de lavage des mains. Un jet privé a atterri ce jour à Antsiranana pour rejoindre l'îlot d'Ankao, dans les environs de la partie nord de Madagascar. À bord, 5 clients et 2 pilotes qui vont rejoindre un grand hôtel dans cet îlot paradisiaque d'Ankao. Étant totalement isolés dans cette île privée et respectant les mesures imposées par le gouvernement visant à lutter contre la propagation de la COVID-19, ces clients ne présenteront pas de risque sanitaire pour la population, selon le communiqué sorti par le comité. Et pour terminer, Pékin a décidé de supprimer la limite de 2 enfants par couple et d'autoriser les familles à avoir jusqu'à 3 enfants, a annoncé lundi l'agence Chine Nouvelle. Le résultat du dernier recensement a révélé une forte baisse du taux de natalité dans le pays le plus peuplé du monde. À la une de l'actualité, la réhabilitation des 180 km reliant Katsep et Mitsins jusqu'à Soualal peut désormais commencer grâce aux engins de construction de routes dotés par le président Andrzej Wajda à la région du Buin. Il a également promis la remise en fonction des services de Jirama d'ici 2 semaines. Hier, le président de la République s'était également rendu dans le district de Mitsins pour le suivi et évaluation de la construction des écoles publiques EPP et CEG ainsi que du CSB2 aux normes de Namaki. Tiamana Doni, Ivrasat. La RNT19 reliant Katsep et Mitsins jusqu'à Soualal figure parmi les pistes impractibles du pays. Les tronçons de route d'une 60 km entre Katsep et Mitsins peut durer jusqu'à 8 heures de temps selon les témoignages de la population locale. Les malades qui doivent être évacués à Majunga peuvent mourir en cours de route. Cette partie de la région de Buin est également une des zones productrices du pays en termes de production halieutique et en agriculture. La majorité des poissons et des crustacés sur les marchés vient de Katsep, nous explique-t-on. Le mauvais état de la route complique le transport de ces produits locaux. Nous allons changer le cours de l'histoire, a déclaré le président de la République Andrzej Wajda hier à Katsep lors de la remise des engins pour la construction de routes dans la région de Buin. Ainsi, l'axe RNT19 est une priorité dans le projet présidentiel. La réhabilitation de l'axe de Katsep en passant par Mitsins jusqu'à Soualal commencera suite à notre discussion avec le gouverneur, toujours selon le chef de l'État. Les engins aux normes étaient présentés hier, composés de bulldozers, compacteurs, niveleuses, camions-citernes et arroseurs. Votre gouverneur fait partie de ce qui travaille ardemment pour le développement de sa circonscription, raison pour laquelle vous méritez ces nouveaux matériels, justifie Andrzej Wajda. D'ailleurs, comme c'était le cas pour la région d'Anjoui, les conducteurs de ces matériels de chantier public ont aussi reçu un certificat d'aptitude et de sécurité délivré par Caterpillar. Lors de son déplacement à Katsep, le président de la République a également promis la remise de l'électricité, coupée depuis 4 ans après le départ de l'entreprise privée en charge de l'éclairage à Katsep. J'ai ordonné personnellement au directeur général de Jirama de remettre en état l'électricité sur les lieux d'ici 2 semaines, martèle Andrzej Wajda. Il a également inauguré dans le district de Mitsins la route pavée du bazar de Matsakabanz et a visité la construction des écoles publiques EPP et CEG ainsi que le CSB2 aux normes sur place. À Katsep comme à Namaki, il a distribué des lampes et plaques solaires à Zavana Wanao,
un cadeau de la part du président Antradzwil à l'occasion de la célébration de son anniversaire. Toujours dans la région de Bouéngi, mais pour ce qui est de l'éducation, 3000 enseignants formés seront recrutés cette année, annonce le président Antradzwil. 142 se sont officiellement vus attribuer leur blouse d'enseignants fonctionnaires ce jour à Majenga. Dans son engagement pour une éducation de qualité, le chef de l'État a également inauguré l'école primaire publique EPP aux normes d'Ambreville en dotant de matériel numérique. L'établissement est promu la construction de la première université IEM en collaboration avec Huawei. Tiamanadouni, Ivrasat, les détails. Les enfants malgaches ont droit à une éducation de qualité aux normes, a déclaré le président Radzwil lors de l'inauguration officielle de l'école primaire publique aux normes d'Ambreville à Majenga ce matin. Désormais, l'éducation nationale au niveau des écoles publiques se métamorphose dans le fond comme dans la forme pour atteindre l'engagement présidentiel numéro 4 sur l'éducation. En effet, les écoles primaires publiques aux normes basculent vers le numérique avec l'utilisation de tablettes et de tableaux numériques grâce à la collaboration avec le géant du high-tech Huawei. Les élèves disposent également d'ordinateurs portables individuels pour suivre les cours. Les écoles publiques sont désormais prioritaires pour bénéficier de matériel pédagogique de qualité, réitère le chef de l'État. Raison pour laquelle il a priorisé la dotation des livres et de rakbulen à tous les niveaux de classe. Notre objectif étant de prodiguer un enseignement révolutionnaire suivant notre ère, soutient Radzwil. Dans son élan, il a annoncé que les 10 meilleurs élèves en classe de terminale bénéficieront d'un cours en ligne de haut niveau et d'une visite guidée du campus de l'université de Huawei. Un même programme sera implanté dans les 5 universités du pays. Il promet également la construction de la première université IEM, fruit de la collaboration avec le géant mondial du high-tech Huawei. Dans sa vision d'engagement présidentiel pour une éducation de qualité, il décide le recrutement de 3000 enseignants formés dans tout le pays. 142 se sont d'ailleurs vus attribuer leur blouse d'enseignants fonctionnaires ce jour à Majenga. Toujours dans cette page d'actualité, le retour en classe sera effectif pour toutes les classes intermédiaires dès ce mercredi pour les établissements publics tout comme les privés. Une désinfection totale de toutes les salles de classe et des cours de récréation sera effectuée à partir de ce jour, ainsi que l'installation des dispositifs de lavage des mains. De nouvelles organisations quant aux emplois du temps et des heures de cours s'imposent toutefois afin d'appliquer les gestes barrières d'après les explications. Les détails avec Mamtine Anjimbloul et Omega Hanifson. Une réunion de tous les professeurs des classes intermédiaires s'est tenue ce matin au CEG d'Antan Barnanjin après l'annonce du président de la République sur le retour en classe d'ici le 2 juin prochain. En effet, les responsables n'ont que 2 jours pour entreprendre les préparatifs relatifs au retour sur les bancs de l'école des quelques centaines d'élèves, précise la directrice de l'établissement. Le renforcement des gestes barrières, notamment la limitation du nombre d'élèves pour chaque classe, nécessite de nouvelles organisations. Les responsables sont pourtant en attente des consignes du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir procéder dans ce sens. En outre, les mesures à prendre concernant la révision des emplois du temps ainsi que des heures de cours ont été également discutées à l'occasion, puisque le programme scolaire n'était qu'à moitié achevé avant le début des vacances de Pâques. Ce jour, un affichage informant de la reprise des cours à partir de mercredi est notamment placardé à l'entrée du CEG d'Antan Barnanjin. Pour une école privée de la capitale, la réorganisation en vue du retour des classes est déjà en cours. L'emplacement de 2 élèves par banc sera appliqué. L'emploi du temps déjà utilisé depuis le début de l'année scolaire reste inchangé dans la mesure où l'école dispose de plusieurs salles de classe non utilisées. Les classes en surnombre seront donc automatiquement divisées dans ces salles libres. Le programme scolaire étant déjà achevé pour les classes d'examen, les exercices ainsi que les révisions seront renforcés.
pour tous les établissements scolaires publics comme privés, une désinfection totale de toutes les salles de classe et des cours de récréation sera effectuée dès ce jour. L'installation des dispositifs de lavage des mains figure naturellement dans la réorganisation. Page sociale, la commune d'Aboumagakil dans la région d'Analamang procède à l'assainissement général de tous les quartiers de la dite commune, toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19. L'insuffisance des bacs à ordures dans presque tous les fouctanes qui étaient à l'origine de l'insalubrité des lieux, les ordures s'entassaient un peu partout, bouchant les canaux d'évacuation. Outre le projet de mise en place de bacs à ordures dans les 18 quartiers de cette commune, un projet de collecte déchets à domicile y est aussi effectué actuellement. Le Fouktan de Tanambao et de Souamananjar sont les quartiers pilotes de ce projet. Il s'agit de soutenir la commune d'Amboumagakil quant à l'assainissement, surtout en matière de ramassage de déchets publics. La remise des dons de matériel d'assainissement et de bacs à ordures pour cette commune s'est tenue ce jour. Et pour continuer, un jet privé a atterri ce jour à Antsiranana pour rejoindre l'îlot d'Ankao dans les environs de la partie nord de Madagascar. À bord, 5 clients et 2 pilotes qui vont rejoindre un grand hôtel dans cet îlot paradisiaque d'Ankao. Étant totalement isolé dans cette île privée et respectant les mesures imposées par le gouvernement visant à lutter contre la propagation de la COVID-19, ces clients ne présenteront pas de risque sanitaire pour la population, selon le communiqué sorti par le comité. C'est un reportage signé Sibela Anjemazav et Rive Rangelazon. Un grand hôtel situé sur l'îlot d'Ankao avait déposé une demande d'entrée exceptionnelle sur le territoire malgache pour un jet privé. Ce dernier a donc atterri sur le sol malgache ce jour avec à bord 5 clients et 2 pilotes. Or, l'avion devait se poser obligatoirement à l'aéroport d'Arachar d'Ansnanan pour effectuer les formalités aéroportuaires et sanitaires d'après un communiqué sorti ce jour. C'est après ce passage éclair que les passagers ont été transbordés en hélicoptère pour rejoindre l'hôtel à Ankao. Étant totalement isolés sur cette île privée et respectant les mesures imposées par le gouvernement visant à lutter contre la propagation de la COVID-19, ces clients ne présenteront aucun risque sanitaire pour la population, selon le communiqué sorti par le comité. Ce communiqué a été sorti conjointement par le ministère de la Santé publique, le ministère des Transports, le ministère du Commerce ainsi que la présidence de la République. Les passagers résideront sur place pendant 4 jours. Il est temps maintenant de passer aux actualités internationales. Faisant face au vieillissement de sa population, Pékin décide de supprimer la limite de 2 enfants par couple et d'autoriser les familles à avoir jusqu'à 3 enfants, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. C'est une décision historique pour la Chine. France 24. Changement important et symbolique annoncé par suite à la réunion de ce Politburo avec encore peu de détails. En effet, le communiqué qui parle de mesures qui viendront soutenir les familles qui souhaitent avoir 3 enfants, mais on n'en sait pas vraiment plus. D'autres mesures aussi annoncées pour faire face au vieillissement de la population chinoise, notamment une réforme du système de retraite chinois et un relèvement progressif de l'âge de retraite, un sujet qui fait débat et une décision qui n'est pas très populaire en Chine aujourd'hui. Et aussi de nombreux investissements pour construire de nouvelles maisons de retraite. Tout ça pour faire face au vieillissement de la population chinoise dont on a pu réaliser la teneur au début du mois de mai avec le dernier recensement de la population qui a montré une population active en âge de travailler qui est en diminution par rapport à la population âgée et surtout une baisse du nombre de naissances, notamment ces 4 dernières années, malgré le rehaussement de cette doctrine familiale avec l'annulation de cette politique de l'enfant unique en 2016. C'est ce vieillissement de la population chinoise qui a des conséquences économiques graves quand on pense qu'elle a un impact sur la taille de la population active. Donc la peur du côté de Pékin, c'est de voir la population, c'est de voir la Chine devenir vieille avant de devenir riche.
En effet, depuis 4 ans, un nombre de naissances en Chine qui est en baisse, mais aussi un taux de fertilité pour les femmes chinoises à 1,3 enfants par femme, ce qui met la Chine au même niveau que des pays développés comme le Japon ou comme l'Italie. Et la principale raison derrière ce manque de nouvelles naissances en Chine, c'est le prix de la vie et surtout le prix d'avoir des enfants aujourd'hui en Chine, notamment dans les villes les plus importantes du pays, comme ici à Pékin, à Shanghai ou à Canton dans le sud du pays, avec des prix, le prix de l'éducation qui est extrêmement élevé, avec notamment une culture qui met l'accent sur les cours privés, les cours particuliers qui coûtent aussi beaucoup d'argent. Et il y a aussi le fait qu'avec une population plus âgée, les personnes qui sont dans la vie active doivent à la fois s'occuper de leurs parents, mais aussi de leurs enfants. Tout ça, ça limite les fonds, le financement qui est là pour pouvoir élever de nos enfants. Et d'ailleurs, une proposition qui est souvent discutée sur les réseaux sociaux chinois, c'est l'apport d'une aide financière pour chaque enfant en Chine, pour aider justement l'éducation, pour aider à avoir les fonds nécessaires pour élever des enfants aujourd'hui en Chine. Voilà, c'est ce qui clôt notre édition du journal en version française. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme à 19h30 pour le journal en version malagasy avec mon collègue Nzaka Anjiamayiri. Bonsoir.